bien le bonjour à tous, bande de ville chou-fleurs, et bienvenue à ce nouvel épisode de Bordel Land avec Messire Chronos. 83. Les pyramides. C'est moi qui fais la fête. Cinématique. On a bien fait de pas aller plus loin. Oui. On a des grosses couilles pour l'épisode 5. Ah, c'est des Ewoks. Ou alors des mecs de Avatar. Kameta Oba oh. Pardon. Kameteka. D'accord. Oh non, il faisait le kamaté. Apparemment, ils font un peu mal. Ça. Oh là là. Bon, les gars, vous avez un cancer à la prostate. Ok, c'est pour ça que vous êtes pas content. J'ai besoin d'un autre tag. Ta tourelle est pas contente, mec. Le problème. Ah, pardon, merde. J'ai oublié que t'étais en train de mourir. Je te regardais avec les yeux doux là. J'ai oublié. Genre, le chapeauté, il regarde pas mieux, tu vois. Son casque, il est stylé. Ouais. On dirait Skyrim, c'est le casque du dragon. Dovahkiin. C'est le Dovahkiin attrape. Eux ils faisaient le Kamaté. Je crois qu'en fait on s'en rend le Kamaté, mais il faut juste s'occuper de buter les gens. Ouais je crois. Tu l'as compris toi. T'as vu la quête, le nom de la quête. Sauver Kamaté encore. J'avais pas vu. Donc les gens, on vous a fait une intro rapide, mais en gros épisode 5, hein, n'oublie pas de n'allez pas la rediffusion du live, hein, comme d'habitude. Et puis bah on vous fait des gros bisous, puis voilà. Je me fais violer dans un coin. Putain, c'est pas propre dis donc, hein. Il pourrait prendre un carré quand même. Bah dans un carré, il y a des coins. Alors techniquement, dans un triangle, il y a des coins aussi, on est d'accord. Oui. Et dans ta bite, il n'y a pas de coin, parce qu'elle n'existe pas. Voilà, j'ai fait une blague. Ça c'est pas gentil ça. Non, je pas du tout. Sens vexé là. Oui, sois vexé, très profondément. Et tu seras licencié comme demain. Comme le créateur de map là. Quoi? Mec, comme le créateur de map Minecraft. Ah peut-être, j'en sais rien du tout. À vrai dire, à part Notch... c'est tout ce que tu connais. C'est tu ça. Kinderbone. Ah si, ça me dit quelque chose. C'est pas un personnage à jeu vidéo. C'est un développeur de Minecraft. Wouah, mais c'est sauvage, nous balance des lances dans la figure. Ah bon, bah, écoute, ça s'appelle des sauvages, les gars, sauvages. C'est sûr que c'est dit. Tiens, oh, je l'ai fait voler lui, il a 20 tagués, il a fait. Hasta la vista, baby. Ah, ça c'est Schwarzy. Eh ouais. Schwarzy qui va faire le papa de Conan dans un nouveau film de Conan bientôt. Sur vos écrans. En fait, ça sort en 2016 ou 2017, je sais pas. Alors, en fait, si vous voulez voir ce film, il faut que vous vous abonnez à la chaîne Outsider et que vous nous donnez 10€ chacun. Voilà. Ah, en l'honneur du grand Chrome. Google, hein. Ah, vous êtes le cousin Hubert. Noble cousin Hubert. Ah oui, Hubert, c'est qui franchit les taxis, là. Ouais, je connais. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé de... Qu'est-ce qu'il en advient de... En fait, comme je m'en branle complètement, ben, je sais pas. D'accord, donc toi aussi tu t'en branles pour. Ah ok, bah on est tous. Et viewers, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en branlez complètement. Sinon, vous cliquez sur la croix rouge en haut à droite, mais avant, vous appuyez sur le petit pouce bleu, d'accord? Oui. Le mec qui fait la propagande de sa vidéo, quoi. J'avoue. Comme les gros nazis et les gros munistes. Les gros communistes. Les gros munistes. Ah, les gros pro-pros, les pro-pros, les gros munistes. Oups! Alors techniquement pourquoi ils ont ce... Ah ouais clap... Attends, normalement ça devrait le faire. J'ai les bords du nid, ils ont disparu, non parlant plus. Bah. Oh merde, bah alors j'ai pas tiré... Je sais pas pourquoi j'ai tiré. Apparemment tu es mort. Ouais. Ouais, je sais... Mais c'est pas pour longtemps. T'as vu? Je suis pas mort. Tu dis des petits actes. Bon en fait je crois que je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure parce que comme j'arrive pas à voir où sont trop les ennemis. Et qu'en plus on leur fait que dalle comme dégâts, c'est incroyable. Ah ouais non mais ça c'est... non mais c'était brutaux c'est pour ça les autres ont leur fait des dégâts. Bah ouais mais quand même il y a un petit peu de challenge là. C'est moi ou toi aussi t'as des pertes de FPS ou pas avec tout ce bordel là? Ah non pas du tout. Tiens moi j'en ai du secret. Bon c'est pas grave ça me dérange pas de pour jouer mais peut-être que pour voir c'est un peu moins un peu plus agréable. Ah bah pour une fois que c'est pas l'inverse d'habitude c'est moi qui ai des grosses pertes de FPS et là non pas du tout.
Bon écoutez les amis, hein, déjà qu'on vous chie à la gueule, alors si on doit vous faire de la qualité de ça, hein, on est respectueux et poli, on rote à la gueule seulement. Oui parce que il faut accélérer le temps. Voilà. Exactement. C'est le dernier épisode. Ah bon ? Que vous pouvez voir dans la playlist ou sur nos chaînes. Ou alors, eh ben, quand vous faites à la fin de l'épisode, il y a un petit lien, enfin au moins sur la vidéo qui vous pouvez avoir l'épisode précédent. Ah oui, alors moi je suis tellement une feignasse que je fais même pas ça. Oui, exactement. Tu es un bon gros fainéant. Écoutez, tu es un bon gros mec de gauche. Oh oh oh. Alors là par contre, non, le breton n'a pas à parler, hein. Le partisan du... Nous ne faisons pas de politique en vidéo. Mais le partisan du PS, c'est pas ça. Oh là là. Ah merde, t'as vu, il y avait un... Oh, je te chie à la gueule là. J'en avais plus. J'avais plus de place de toute façon pour le prendre. Ouais. Ah bah attends, il y a des trucs de munitions là-bas de toute façon. Où ça? Là-bas. Et t'aurais pas pu le dire plus tôt, je serais allé vendre. Bah mais attends, il est complètement à l'opposé. Ah mais il est en bas. Ah mais fait chier, c'est la merde. C'est la merde noire. Bah littéralement. Par contre, quand est-ce qu'on l'a sauvé avec la trappe là? Elle est où? Ouais, elle a disparu. Hein. Est-ce que tu crois qu'on l'a sauvé? Ah, il y a encore un méchant là, je le vois sur la carte. Ah, il est là. Ah oui. Wow, il a fait un petit saut, genre il s'est mis pour Jackie Chan. Oh, Jackie Chan là! J'arrive! Oh, yo! Oh putain, je me suis fait plus de dégâts que je voulais en effet. George de la jungle, il est notre ami. Ils font feu. Il est où? C'est où les méchants? Je lui fais du 263-4 dégâts, il prend à peine de dégâts, c'est abusé. Par contre, là pour le coup, par rapport au précédent DLC, on faisait ça de la main dans le slip. Tout de suite, c'est plus pareil. Ah bah oui, hein, parce que là, on a la main dans le caleçon de votre frère. Merci d'avoir tué ces types qui me vénéraient. Personne n'a enlevé que j'ai dit de votre frère. Et de leur respect sans borne. Bon, tu veux empêcher ce professeur de cloner le Bojack, c'est ça? Non, pas du tout. J'ai une idée. On va discuter. Moi, je veux juste te tuer déjà, en fait. Ces sauvages m'ont empêché de trop penser au poids écrasant de ma solitude. Oh, tu veux que je te fasse des bisous sur le cul? Retourne-toi. Les sauvages m'ont expliqué le plan du professeur. Il s'est installé un labo temporaire à Ardorton Station. Et il s'en sert pour créer des clones du Bojack à base d'iridium. Jamais ça. Il faut que tu détruises ces échantillons d'ADN de Jack et que tu mettes son labo hors service. Tiens, sans mon cul. J'ai une mission pour toi, petit. Non, je prends tout. Two Girls One Cap, tu connais? Sbire! Attends, oui! Oui! J'ai vu les quêtes défiler. Je ne suis peut-être pas le dernier de mon espèce. Tiens, tu dois à tout prix le retrouver. C'est drôle, hein, de sentir mon cul. Alors, attends. Les quêtes, où est-ce qu'elles se trouvent? Alors, on a des quêtes. Vomito. Ça me plaît bien comme nom. Undergrot. Alors, attends. Nous, on a le machin Undergrot. Là, on est dans quel endroit? On est dans Silas Grove. D'accord, on va faire Vomito d'abord. Vomito, ça me paraît bien. Ouais, parce qu'en fait, il va vomir, tu vois, enfin... C'est sur ta sœur que je vais vomir. Je sais pas, mais si elle est du genre attirée par l'odeur du vomi, ou ne serait-ce l'aspect... J'ai pas dire le contraire, c'est... Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. De toute façon, on est ta sœur, c'est une femme, elle a pas donné son avis. Écoutez, les gars, entre les vidéos fascistes, racistes, tout ce que vous voulez, avec et des nazis... Et nazi, maintenant, vous avez le sexisme. Donc les féministes qui vont arriver à la fin de cette vidéo, vous allez en voir un nombre incalculable. Mais c'est pas grave, parce que nous sommes avec un partenaire, donc nous avons une assurance anti-féministe, qui consiste textuellement... À textueler. En gros, à les envoyer se faire chier et se faire foutre, tout simplement. Attends. Voilà. Je crois que, comme un beau gros autiste, je viens de vendre mes armes. Oh la grosse merde. Ah, j'ai un jeton de Botas. Dégâts élémentaires. Est-ce que j'ai vraiment vendu mes armes? C'est quoi qui fait ce bruit? Ah non, j'ai rien dit. Attends. Mais pourquoi j'ai une grenade qui est marquée là? Attends, c'est ça qui fait bruit? Alors attends. J'ai un truc que je comprends pas. J'ai une grenade qui est marquée, je sais pas pourquoi elle est marquée. Si seulement tu comprenais quoi que ce soit dans la vie, toi. En fait, je m'en branle de cette grenade, pourquoi elle est marquée? Je comprends pas! En fait, je mets des petites. Pour ceux qui regardent, je mets des petites marques qui sont là. Exactement, c'est exactement pour faire ça. Pour indiquer qu'est-ce que je dois pas vendre parce que c'est mon inventaire à moi personnel. Et apparemment, j'ai mis une marque pour rien. Ah, j'ai oublié d'acheter des munitions.
T'as fini de faire des bruits dégueulasses là. Désolé, voilà. C'est juste qu'il y avait une. Ça c'est le mien, ça c'est le mien, ça c'est le mien. Salaud. T'es sûr? Non, lance-flamme, c'est à moi non? Ah, tu m'avais donné le torque. Ah, pardon. Ah oui, c'est parce qu'en fait les couleurs elles sont bizarres. Moi je pensais que j'avais un onyx. Eh ben non. Oh, des ennemis! Apparemment, la quête c'est pas trop par là en fait, je crois. Ouais, mais on tue les ennemis. D'accord. Est-ce que t'as des couilles? Oui, plutôt des grosses. Bon, alors en fait, ils font tellement mal que ça sert à rien. Je crois qu'en fait, je me suis paumé. Ouais, dans les grottes en là. Plus, je te suis là. Ah, d'accord, t'es allé dans les grottes? Bah, je te suis. Hein. Nous sommes dans Star Wars, hein, si vous avez pas compris. C'est à ça que Star Wars va ressembler dans 5 ans. Voilà. En fait, là, je vais chanter Retour vers le futur. Oui, non, mais j'avais compris, hein, merci. Hein. Je crois qu'en fait, on va pas du tout dans la bonne direction. Je te suis, moi, écoute. Roger, si tu n'es pas foutu de. Oh putain! Roger! Thierry! Oh, du sautoir! Ah, un bon petit rugbyman. Ouais, mais c'est un Toulousain donc je l'aime pas parce qu'il dit chocolatine. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle que les gens disent chocolatine ou pas? Mais ça a aucun sens, on dit pas chocolatine, on dit pas au chocolat, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça change? J'ai une question, les gens. Ceux qui disent chocolatine, concrètement, est-ce que le pain au lait. Le pain au lait, c'est bien. Enfin, on dit bien pain au lait et pain au raisin, on est d'accord? Alors, du pain au lait, c'est bizarre quand même. Mais non, mais tu connais pas le pain au lait? Ben non. En fait, c'est juste du pain qui. C'est du pain version très moelleux et qui est. Je trouve pas ça spécialement bon. T'es sûr que ça s'appelle pas plutôt du pain perdu? Non, ça c'est du pain au lait. Non, le pain perdu c'est encore. C'est vraiment bon. Le pain perdu c'est très bon. Et oui. C'est un truc que tu prépares. Le pain au lait c'est un. C'est comme de la brioche. Ah, tu veux dire c'est de. C'est pas bien de. Ah, la brioche! Comme ces saloperies de Vendéens! Les mecs ils sont pas contents. Le coup, l'un c'est les Toulousains, l'autre c'est les Vendéens. Voilà, vous avez la totale. Y'a de quoi nous haïr quand même hein, dans la vidéo là. Je crois que j'ai besoin d'un coup de main. Ah pardon. Tout ça c'est à cause de ces saloperies de Vendéens. Vendre un chou. Mais écoute, Lotari, on a dit pas devant les Vendéens. Ah, les ventres à choux. Ouais, les ventres à choux, voilà. C'est pareil, Vendéens, ventre à choux, c'est la même chose. Non, les intrinsèques. C'est ta sœur qui je la prends à sec. Dis comme ça, c'est sale. C'est très sale. Dis comme ça, il y a en effet des possibilités contextuelles en effet. Voilà. Ah, le sniper, il en fait bien mal. Bah, s'il leur fait bien mal, tu quand? C'est ce que je fais. Il y a encore des méchants quelque part là? Probablement non, mais en tout cas, on est dans le lieu de Vomito. Ah, le bon petit Vomito. C'est drôle parce qu'en fait, j'ai l'impression de pas faire le DLC du tout, je suis juste l'impression de dire de la merde tout le long de la vidéo. Oh, ouais! Génial, mais je ne vois pas. Oh, il y a Claptrap aussi. Le Claptrap est à l'intérieur. Il faut que tu protèges le Skag jusqu'à ce qu'il vomisse le Claptrap. Oh non. Pardon? Déjà, les missions de protection, c'est chiant, premièrement. Ensuite. Pourquoi on ferait ça et pourquoi on tuerait pas plutôt le Skag? Et pourquoi il s'appelle. Attends, Claptrap, t'es dedans? Comment t'as fait pour entrer? Non, non, c'est pas le même. C'est un autre. Non, mais Claptrap est ton. Ah oui, l'unité Claptrap. Ok. Bon, gerbe, allez, saloperie! Non, mais attends, il se casse! Eh oh! Attends, moi je vais explorer la zone d'à côté. Oh! Ouais, il faut le protéger, il y a des ennemis. Oui, il y a des ennemis, tout ça. C'est accessoire ça. Mais. Focussez-moi, focussez le pas. J'aurais besoin de toi, Lotaria, par contre. Apparemment, j'ai allumé un barbecue humain. Ah! Mais c'est qui tire dans le vide? Ah! Bon, j'arrive. Apparemment, tu as besoin de moi. Ah ouais? Parce que je. Enfin, apparemment, tu perds pas beaucoup de vie et en plus, Vomito, il en perd pas du tout. Ouais, mais il y a des ennemis. Putain, ça passe pas. Ishcom. Bon, si tu ishcom. Attends, comment ça s'appelle déjà dans Boss d'éclair là Star Command on approach. Ah, par contre la réflexion, enfin les la culture générale de Lotari, Disneyland de Paris.
Ouais, mais Toy Story, d'abord, c'est pas un Disney, hein, c'est un Pixar. Et Pixar, c'est Toy Story, petit con. Non, attends, c'est l'inverse que je voulais dire. Pixar, c'est Disney, petit con. Bah oui, Disney Pixar, vous connaissez pas? Bande de chiens. Exactement. Comment on est méchant avec eux aujourd'hui? Je crois. En même temps, c'est bien bien rigolo. On dit un petit peu n'importe quoi. Ah oui! Mais oui, c'est clair! Non, mais on pourrait parler d'un sujet intéressant, comme par exemple. Concrètement, les Noirs au Mali servent à quoi? C'est un sujet intéressant! Oh là, ça va. Mais apprendre au second degré. Non, 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 c'était du premier degré pour moi. Ah mais on dit ça parce qu'il le faut dans la vidéo, sinon on va dire qu'on est des racistes, mais bon, second degré, mais premier degré quand même quoi. Oui, voilà. Voilà. On va le dire dans la vidéo, mais... Non mais écoute, c'est facile à dire, mais bon, quand toi-même t'es pas un sorcier paralysant, tu fais quoi, hein? Oui, en effet. Vomito. Hé hey, Pépito, t'es où? Donc qu'est-ce qu'il attend pour gerber ce petit con? Bah, au pire, on le tue et on l'éventre, comme ça il aura pas à vomir. Oui, c'est ce que je me disais qu'on devait faire en fait. Putain, il est en train de prendre cher sa maman. Ouais, ta maman elle prend cher. Oui. Mais je te dis de pas le dire, l'otari putain, elle est hors vidéo. Respect un peu. Oh, oh one shot. Oh, j'en ai one shoté un au sniper. Oh, c'est beau. Oui. Je crois que j'ai eu une érection. Ah, là, il y a un festival de Cannes. Tu veux dire, il y a un festival de femelles du canard? Oh non! Oh ça va, c'est long, ça sert à rien! Oh je vais tirer une petite balle dans le cul! Et une deuxième! Et une troisième! Et une troisième! Ah merde! Tu l'as eu! Mais qui? Mon cul! T'as besoin d'aide? Le curé de Camaret a les couilles qui pendent! Le curé de Camaret a les couilles qui pendent, et quand il s'assoit dessus, elle lui rentre dans le cul, il bande. Putain, t'as deux docteurs animés. Ah, j'ai crevé. Oh merde. Bon, apparemment, on est dans le caca. Et tire. Oh merde. Apparemment, je crois que je vais mourir. Et il s'est soigné en plus, ce petit con. C'est bon, petit margoulin. Petit margouillard, va. Bon, apparemment, je suis décédé. Et apparemment, je vais perdre plein de pognon. En même temps, c'est pas comme si on l'utilisait tous les jours. Il faut un bruit tellement enregistré et dégueulasse. Tu sais, dans les jeux vidéo où tu tapes plusieurs fois, tu fais... Je suis un Robert Simpson. Les images s'animent. Les pixels bougent. Techniquement, oui. Enfin... Bah techniquement un pixel ça bouge pas en fait, c'est fixe. Oui, c'est juste la couleur qui change. D'ailleurs techniquement Minecraft c'est pas du pixel, c'est du voxel. Il se rend compte qu'à l'époque, enfin il y a une époque où Tetris c'était des vrais pixels les cases. Ah ouais? Ah ouais? Attends il vomit! Tu paries combien que ça va pas être un claptrap? 2 euros. Ah si, c'est un claptrap. Oh, il est mort. Ah! Mais c'est un bâtard! Ça fait du bien, hein. Ma foi, je n'ai plus qu'à me lever dans ma dépression comme dans un. Me lever. Trop lâche, mais si confortable. Ah. Reviens me voir quand tu seras prêt, Smith. D'ailleurs, oh, t'aurais dû voir, mais. Tu vois, pendant dans la préparation Mitamine que je fais, il y a des contrôles. Et oui. T'avais une question donc dans un QCM où il y avait la question lever un cordage, ça veut dire quoi? Bah, le mettre en. Et ils avaient proposé plusieurs réponses, donc il y a le ranger correctement, tout ça, tout ça. Et il y avait une question, c'était l'embrasser très tendrement. Il y a un mec. Il a vraiment répondu ça? Oui. J'étais. Non. Sérieusement? C'était gratuit la question et tout. Mais alors, ils se sont foutus de sa gueule, le pauvre. Il y a plus de respect, mais. Enfin, en même temps, quand tu sais que le test de la JDC, c'est des questions du même genre, le test de français, bon, voilà, tu te poses plus trop de questions.
Mais ça, c'était gratuit, c'était une question... Bon, après, c'était un peu plus compliqué, il y avait d'autres questions qui étaient beaucoup plus compliquées que ça, mais c'était une question gratuite, ça. En plus, t'avais deux réponses sur le 3, parce que, bah, embrasser très tendrement, excusez-moi, bah, il a réussi à répondre ça. Voilà. C'était un malgache. Ça explique tout. Ah, j'ai entendu qu'on devait trouver de la poudre à canon, ça me fait plaisir. La poudre à canon qui sert à faire les TNT dans Minecraft? Non, c'est de la poudre de creeper ça. Oui, mais c'est la poudre à canon que ça s'appelle. La gunpowder, poudre à canon. Mais c'est con parce que... T'en trouves dans les creepers et je crois que j'ai un hoquet. Et ça va être très très pratique pour finir la vidéo. C'est là-bas je crois qu'il fallait. Et en effet, c'est par là-bas. Ah, tu t'es un peu barré sur moi apparemment. J'aime bien cette map là, ce système de marais et de grottes, c'est sympa comme décor, ça change. On avait pas encore eu ça. Non, c'est vrai. Ouais, ça doit être par là. Je crois qu'il y a un ennemi que t'as genre sauvé. C'est possible. C'est bon, ouais, c'est là. Apparemment, même les véhicules ils s'en branlent pour que tu tires dessus avec. T'es sûr que tu tires dessus, tu vas voir. Ah, les véhicules, les méchants Les méchants qui sont à pied. Ah ouais. Ouais, mais en même temps les véhicules ils font pas beaucoup de dégâts. Ils sont peut-être sympas à conduire et tout ça, mais ils font pas beaucoup de dégâts. Par contre, ce que on peut leur reprocher, c'est qu'ils font pas mal de... Enfin, qu'ils ont une bonne endurance. J'ai pas du tout bugué. Je me suis coincé entre les deux véhicules et j'étais là en mode ah, ah, je veux sortir. Ah. Je t'ai pas vu, moi je t'entends pas, je te respecte pas moi. Apparemment non. Apparemment moi non plus. Vu que je te dépasse. Quoi? Ah oui. Moi je tirais sur ton véhicule. Salaud. Salaud. Vas-y Philippe. Je sais, ah, tu sors les tourelles. Ceux là sont des lâches. Ils ont des corps de lâches. Ils sont lâches et c'est des lâches. Ah non, lui il ressemble à Ragnar. Ragnar. C'est un peu insultant pour Ragnar je pense. Ouais. Ouais, mais en fait, je veux qu'il vienne en face, je veux lui dire en face, tu vois, je veux le provoquer parce que bah, y'a pas de couille, Ragnar. Concrètement, c'est qui Ragnar, hein, pour moi, c'est qui? Ouais, je prends, je le retourne, hein, on est d'accord. Ah, carrément. Petite claque là dans la gueule, voilà, on en parle plus, on est d'accord. Ah, ouais, j'imagine trop en mode de petite claque, genre en mode paf 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 paf. Ouais, les trucs bien insultantes là, les claques. C'est ça. J'avoue que c'est tellement insultant de prendre des petites claques comme ça. Ah bah oui, non mais c'est pire que des coups de poing là, des coups de poing encore ça fait plus viril tu vois. Bah tu, mon père il m'a toujours dit, si tu dois commencer un combat un jour, tu commences par lui foutre une claque, mais genre un truc pas violent au mec. Parce que déjà c'est hyper humiliant, et en plus t'as en face le mec comme impression il se dit putain mais s'il fait ça c'est qu'il doit savoir se battre, il doit donner des vrais coups au mec en fait. Ça dépend qui est en face. Si c'est un mec qui fait du MMA pendant 13 ans, qu'il a fait du 15 ans de MMA à mon avis C'est quoi MMA? C'est à part la science. Un sport de combat mais assez violent. C'est une sorte de mélange de plein de sports de combat. Je crois que j'aurais besoin d'un coup de main. Ah pardon, par contre t'as perpète les oies là. Oui, je crois qu'en fait on va décéder. Ah, ces épisodes. Il y a un super brutal en fait. Il fait mal au cul. Je crois qu'on arrive déjà bientôt à la fin de l'épisode en plus. On a 23 minutes. Donc ouais, globalement ouais, quasiment. Ça va vite, hein! Oh là là, je prends cher sa maman! Voilà, et donc je sais plus ce qu'on en disait du coup. Mon père il me disait pour un combat faut toujours donner une petite baffe au tout début, tu vois, parce que le mec il est humilié, donc il va mal réagir, enfin, genre, donc il va plus savoir faire cette attitude correcte, tu vois. Oh, ouais. Bah, ça dépend si après le mec il se dit bah tu veux m'humilier, ok, bah maintenant je vais te montrer ce que je sais faire. Ouais mais ça dépend sur qui tu tombes. Si tu fais ça contre un mec, ouais. Non mais je veux dire, quand t'es humilié, du coup le mec il réfléchit plus. Ouais c'est vrai. Et comme il réfléchit plus, il va plus bien. Bon écoute Ah d'accord, donc toi t'es comme ça, je croyais que tu me réanimais mais non en fait. je me suis dit, je crois que je vais bientôt crever, donc je vais balancer une tourelle en pensant que ça va m'aider, en fait apparemment pas trop. Je suis décédé, dans le Blu-ray. Apparemment je crois que je vais encore mourir comme une merde. Oh putain, il y a la perte de pognon qu'on fait là. Effectivement. Non.
A la fin j'avais deux ennemis et puis j'ai pas su me décider, j'étais là en mode ah je tire sur lequel. Tu te rends compte que je perds 723 000 dollars hein. 723? Mais attends, t'en as combien de pognon? 723 000. Oui mais t'en as combien de pognon en tout? Ça c'est une très bonne question, je suis reparti au combat donc je vais éviter de regarder ça maintenant. Là je suis à... 414 000. 414... Ah oui d'accord. T'as vraiment perdu beaucoup de pognon toi non? Bah j'en ai jamais vu comme ça. Je crois qu'au maximum j'ai dû arriver à 600 000. Ah d'accord. Par contre ils sont durs les ennemis. Et c'est des super brutaux, ils sont vachement durs ceux-là. Non mais je veux dire là on est en mode en BLS quoi. Non, je suis pas en position latérale de sécurité actuellement. Je parlais d'une position latérale de sodomie. Ah oui là par contre oui. Ah je vais encore décéder. Je fuis. Je fuis. Position latérale de smecta. Je trouve des mots en S et je sais. Et voilà. Oh merde. Parce que l'autre jour, pendant mon cours d'anglais, on faisait un petit exercice oral de genre, tu sais, t'avais des mecs qui jouaient les présentateurs, puis après, on était en groupe, on était en mode, il y en a un qui défendait Steve Jobs et l'autre qui défendait. Je crois que c'est Linus Torvalds, quelque chose comme ça, fait le mec qui a créé Linux, tu vois. Ouais. Attends, tu es en train de comparer Apple et Linux? Non, je dis, en fait, l'exercice, c'est il y avait deux groupes, il y en avait un qui défendait ça et l'autre qui défendait l'autre, tu vois. Et donc, du coup, t'en avais qui était censé faire les rôles du présentateur de l'émission, tu vois. Et à un moment t'as un présentateur d'émission, il commence à dire des trucs, puis il bafouille. Je regarde la prof, il fait non mais madame, je vais arrêter là, je suis en PLS. Et c'était tellement drôle. Et elle lui a dit quoi? Mais elle l'a regardé en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte ce petit con. Bon. Bah en même temps, quand on va me dire ça, excuse-moi. Ah oui, tu me disais le pognon, 9 712 000. Ah oui, t'es un peu à beaucoup plus que moi en fait. En fait, t'en perds beaucoup plus que ce que je ne gagne. Ouais, c'est ça. Enfin, qu'est-ce que je n'ai. Bien, tu as trouvé la poudre. Tout ça pour une fusée de feu d'artifice. Un canon que j'ai préparé, et tu pourras faire apparaître le rack et me le tuer, plutôt que de le tuer pour Hammerlock. D'accord, très bien. Et bien ça me semble être bon, non? On est à 27 minutes de vidéo. Ouais, bah on va rejoindre les véhicules et puis on va s'arrêter là, écoute. Allez. Ah, apparemment, je suis pas tombé au bon endroit. Probable. Apparemment, YOLO. Swag. Apparemment, t'es moche. Balthazar. Octavius. Je crois qu'apparemment, on s'est trompé de véhicule. Oui, c'est ce que j'ai en train de me dire, c'est pas grave. Tu respectes. Mais non, mais le lance-flamme c'est un peu de la merde en fait. Bah oui, carrément. Il a un peu une portée de lâche. Donc bah écoute, sur ce, on vous dit salut à tous, bande de petits marboulins. Salut à tous. Pensez à laisser un petit pouce vert. Et allez voir l'Eurodif. À revoir l'Eurodif de live, où probablement on s'est vachement amusé. On ne sait pas, on verra bien. Et puis pensez aussi à aller voir Jackie et Michel, nous avons fait un film à ce niveau-là. Et puis partagez la vidéo, partagez tout ça. Enfin, évitez de la partager parce que vu le nombre de conneries qu'on dit et le... Tu vas te calmer toi. Oh derrière toi. Pensez à laisser un petit pouce vert, à commenter, surtout à commenter. On aime beaucoup les commentaires. Et puis on vous fait de gros bisous. Et puis à la prochaine. Bye bye. Salut à tous. Et à la prochaine. Wouhou. Oh merde.